Je suis là, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur un nouvel épisode de Super Mario Sunshine, dans la joie, la bonne humeur, et on espère les FPS, parce que la dernière fois, c'était un petit peu la cata. Vous savez quoi? On va directement aller dans cette zone-ci. Ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé, et il faut qu'on la revisite. Il faut qu'on continue, Je crois qu'il y a 8 épisodes. Il faut, si je ne me trompe pas, pour terminer le jeu, qu'on fasse au moins les épisodes 7 de toutes les zones. Ok? Donc, il y a du boulot. Les pièces rouges du village, on y va, on bosse, et peut-être qu'après on retournera donc sur la place Delfino pour faire en particulier le truc des fruits, parce qu'on a fait des bananes la dernière fois, mais il y en a plusieurs des trucs comme ça, donc autant en faire petit à petit, du plus simple au plus sympathique, et après on verra. Voilà, du coup, pièces rouges du village, ça me paraît simple. L'explication du niveau me paraît simple, après de là à ce que ce soit simple. C'est tout autre chose. Est-ce que les FPS seront avec nous aujourd'hui? Est-ce que les crashs seront avec nous aujourd'hui? Je ne sais pas. On a eu notre premier la dernière fois, d'ailleurs. Très sympa de votre part de fêter cette fête. Hein. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié de voir que mes malheurs pouvaient vous réjouir. J'adore. J'adore et j'adhère. Voilà, tout simplement parce que j'aurais exactement fait la même chose. Bref. Oh, mais il y en a partout des pièces rouges, là. Ça va être très simple. Il n'y a pas de problème. Par contre, occupons-nous aussi des pièces bleues. Hein. Ne les oublions pas. Non, mais regarde, elles sont toutes là. Elles sont toutes posées, tranquilles. Très facile. En même temps, on est dans la première zone. Donc, c'est vrai que à la base, c'était censé être facile ici. Regarde, attention. Il y a la petite roue électrique là. Mais bon, ça masse le temps. Hein. Ah, il y a les vents mauvais. On va attendre qu'il fasse son truc, là. Hop là, la petite fin. En fait, il revient tout le temps, non? Non, il revient pas tout le temps. Tiens, il y a une pièce bleue. Par contre, là, il y a une pièce rouge qui est également... Hop! Dans le vide. Où est la dernière? Elle doit être par là. On va prendre la bleue. Pour l'instant, tout va très bien. Regardez, on est à peine 3 minutes de vidéo. À peine. Ah! Et tout se passe très bien. Hop! Oh, rentabilité. Je rappelle qu'il y a 30 pièces bleues par niveau. Est-ce qu'on peut voir combien on en a récupéré dans cette zone? On en a récupéré que 8. Alors, par contre, on en a forcément récupéré plein. La 15 sur Gelato les Flots. Le port 10. Parc Pina. 15 aussi. La place, je sais plus combien il y en a. En bref, il y a encore du boulot. Finalement, c'est même pas les... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es vénère? Mais pourquoi t'es vénère? Rien de tel qu'un bon catapultage pour commencer la journée. Mais la meuf, elle a passé une super mauvaise journée. Elle me catapulte. Ok. Bref, du coup, ce que je disais, c'est que... Ah bah tiens. Attends, mais je crois qu'en fait... Où tu es, toi? Non, en fait, j'allais vous dire qu'on pouvait faire déplacer la plateforme et c'est raté. Quelle est cette grosse poule? Il y a une énorme poule qui vient de me caquer dessus. Je l'ai vu. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais regardez ça. Mais attendez, mais en plus, dans sa merde, il y a des bestioles. Mais non, mais mademoiselle... C'est la poule aux œufs d'or. Est-ce qu'elle a pas un œuf bleu pour nous? Non, même pas. Par contre, elle est assez rentable au niveau des pièces. Encore une fois, le soleil des 100 pièces. On le garde en tête parce qu'il sera intéressant un jour. Bref, il me restait qu'une seule pièce à la base. J'ai aussi raté une pauvre pièce bleue isolée. Oh là, oh là. Ok, c'est bon, la pièce bleue. C'est bon. Où est la dernière pièce rouge? Il me semblait l'avoir vue ici, en fait. Je l'ai ratée? Ah! Allez, fais un petit effort. On s'accroche. Voilà. Voilà. Parfait. Alors, faut aller tout en haut, par contre. Ah, je vois une autre pièce bleue tout à gauche.
Voilà, ce ratage complet du super saut. Ah, ça passe, ça passe. Parfait. Alors, on va tout en haut, dans le calme. Le calme. Ok. Voilà, 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 voilà. Voilà. Non. C'est pas grave, on va y aller sans eau parce qu'apparemment on galère. Voilà. S'il te plaît. S'il te plaît. Un tout petit effort. Voilà. 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 C'est bon. Voilà. Pas la peine de paniquer. Tout se passe très bien. Bon, alors par contre, on va bientôt avoir 20 soleils. Je me dis qu'au prochain, il est possible que sur la place Delfino, il se passe quelque chose. Je pense que c'est fort probable. Là, il va rien se passer. Genre, gentiment, introduction, voilà. Tu sors du niveau. Et gentiment, introduction, je rentre dans le niveau. Mais alors, le prochain, je le piffe. Je le piffe. Je le vois. Je le vois venir gros comme une planète. Le retour de Flora Piranha. Oh non, pas elle. Pas elle. Il y a la musique qui fait peur, là. La musique... Oh. Il y a de la boue partout. De la boue qui n'est pas forcément de la boue. C'est censé être de la peinture. N'empêche qu'on a vu une poule extraire de la peinture de son orifice. Donc je pense quand même que ce n'est pas que de la peinture. On va dire, faut se rendre à l'évidence. Ou alors cette poule a vraiment quelques problèmes. Hein. Vous me direz, elle avait pas l'air saine cette poule. Alors par contre, où est-ce que je dois aller? Tiens, il y a un habitant qui a l'air d'avoir besoin d'aide. Dis-nous tout, toi. Dégagez. Bonjour. Tu m'as sauvé, merci mille fois. Mais même pas la petite pièce qui fait plaisir, quoi. Je sais pas, moi, je... Quelqu'un me sauve, je lui donne quoi? Je donne un petit pécule. Un petit truc. Un pécule, quoi. Un pécule. Mais si, un pécule. Un pécule. Ah, écoutez, je vais pas tout vous apprendre, hein, ça suffit. Ça suffit. Vous saurez, un pécule. Ah, écoutez, allez prendre un dictionnaire. C'est bon. Bref, je crois qu'il faut aller là-bas. On est sur la voie. On est sur la voie. Par contre, j'ai perdu beaucoup d'eau déjà. Hop. Non. Et c'est le ratage. Ok. S'il te plaît, va doucement. En fait, il y a des fils exprès, là. Tu peux y aller. Olé, olé. Vous les sentez? Vous le sentez? J'ai vu quelques pièces bleues. Au moins une. Je vais me poser là. Voilà. Là-bas, il n'y a rien. Rien en l'air non plus. Par contre, c'est ici. Vas-y. C'est bon. Il y a un habitant aussi qui a besoin d'aide en bas. Alors bien sûr, je pourrais dépenser mes pièces bleues pour aller plus vite dans les soleils, mais je vous dis, j'aimerais beaucoup faire les 240 pièces d'un coup. Ce sera beaucoup plus drôle. Ça fera 24 soleils d'un coup, ce sera très sympa. Alors, oh, oh, oh. On va sauver l'habitant. Ah si, je me souviens comment ça marche. Bah du coup, on va peut-être pas. Regardez, voilà. Les espèces de Kirby, là, se mettent sur moi, sur ma buse. Et je vais pouvoir les faire gonfler. C'est raté. Il ne faut pas que je gâche trop d'eau. Non. Petit effort. Mais je le touche pas. C'est bon. C'est bon. Le voilà réveillé. Et à présent, je me suis trompé de bouton, mais vous l'avez pas vu. Hein. Vous ne l'avez pas mis du tout dans votre bingo. Ah, il y a plein de pièces ici aussi. Bah déjà, on va aller rechercher de l'eau parce que sinon, ça va être la galère. Oh là, cet agrippage, juste.
Alors, ok. Monsieur ou mademoiselle, Flora Piranha, est-ce qu'on se dit que Fleur, ça veut dire forcément que c'est une fille? On est en 2018, on peut de toute façon se dire que les genres, c'est plus aussi fermé qu'avant. Faites ce que vous voulez, mademoiselle, monsieur la Fleur. Ah! Alors, faites ce que vous voulez, mais dans la bienséance, s'il vous plaît. Arrêtez de balancer vos trucs! Je suis trop loin. La bienséance, s'il vous plaît. Voilà. Ah merde. Pardon. Mince. On nous dit pas. Non, on reste assez poli. Bien que, encore une fois, la bienséance, c'est aussi une question de. De savoir quand un gros mot ou une vulgarité n'est pas si vulgaire que ça. Tout est question de... Comment on dit, là? De pas de parcimonie, mais de... Oh, mais il s'en va loin. Vous en allez beaucoup trop loin, mon cher. Où il est? Il est tombé. Ok, du coup, là, je peux remplir. J'ai pas peur de la tornade. Oh. Ok, j'étais pas du tout dans le bon angle. Je comprends. J'assume la responsabilité. Ah non, mais non. Oh là. Tombe. Merci beaucoup. Maintenant, bon angle, s'il vous plaît, bon angle. Après, tornade. Attention, Cam va bientôt s'arrêter et moi pas vouloir cliquer dessus. Non mais oh. Où il va? Il va faire demi-tour là, il faut pas se faire avoir. Voilà. Il veut juste que je vide mon eau. Là, je suis à peine trop loin, quoi. Voilà. Ok, donc, on en était là. S'il vous plaît. Tornade, bon angle, tout ça. Le petit salaud qui a pas voulu faire de tornade. La bienséance. Et la cohérence, surtout. Rien à faire. Oh, il reste 3 secondes. C'est bon, je suis encore là. Par contre, j'en suis pris une. Hein. il va très loin. Il va très très loin. Bon, on assume... Wow, bonjour toi. On assume toujours qu'il suffit de 3 coups pour tuer la bête. Parfait. Bon alors là, s'il n'y a pas une tornade, je ne réponds plus de rien. Bon là, tel que vous me voyez, je ne réponds plus de rien. Évidemment. Non, ça va, c'est au sol, ça va. Ok. Petite précision, là, tant que j'y pense. J'ai encore fait des réglages sur mon micro parce que j'arrête pas d'essayer de trouver les trucs parfaits. Mais vu que j'y arrive pas, en général, ça fout tout en l'air et c'est moins bon qu'avant. Donc, si jamais vous entendez un problème, un bruit de fond, un truc qui sature, enfin bref. Déjà, d'une part, quand je ferai le montage, je vais forcément le voir. Mais on sait jamais. Peut-être que vous pouvez, vous aussi, vous dire « Hmm, c'est mieux qu'avant » ou « Hmm, ça change rien du tout » ou « Bref ». Un petit commentaire, un petit truc, un petit machin. Et je joue avec un rouleau de sopalin vide qui a pris fort cher dans le dernier live, si vous étiez présent. Ok, regardez. On a bel et bien un nouveau niveau, là. Je l'avais dit. 20 soleils, nouveau truc. Bon, on n'a pas vu ce que c'était, mais je vous le dis d'avance, c'est un nouveau niveau. Mais, nous, on est occupés. On est dans les collines. On découvrira peut-être ce nouveau niveau. J'aime beaucoup dire niveau. Ce sera peut-être la prochaine fois, voilà, parce que là aujourd'hui on a du boulot dans les collines, plus quelques fruits sur la place. Donc s'il vous plaît, restons concentrés et concentrés, j'ai pas d'autres mots. Ok, le secret du lac pollué, ça veut dire niveau à plateforme, ça veut dire niveau potentiellement à rage, ça veut dire niveau qu'on adore, ça veut dire que le fun va être présent. Allez, on y va.
On regarde s'il n'y a pas quelques pièces bleues sur le passage, parce qu'il faut quand même pas déconner. Je regarderai bien aussi si... Par hasard... Non, regardez. Faut toujours regarder à peu près quand les buses vont s'activer. Et apparemment, c'est toujours pas le cas. Je suis pas allé sur ce petit balcon-là, si. C'est suspect, ça. Ça, c'est suspect, non? Y a rien, là? Une pauvre pièce? Que même, s'il vous plaît, que même. Ok. Bon. On a déjà bien assez vu le village, alors on va retourner au côté de... Bah, du lac pollué. Et de potentielles pièces bleues. Alors, potentielles pièces bleues, s'il vous plaît. Pour l'instant, rien de potentiel. Bonjour. Un petit mot pour moi? Un petit mot? Oh, le lac est pollué! Comment voulez-vous nettoyer quelque chose d'aussi sale? Ben, il faut aller à la source. Oh! Je l'avais pas vu, celui-là. Ok, donc, il faut... Oh, il faut... Je me demande s'il faut pas... Oh, bah, super. Oh, bah, super. Ouah, comment ça fait mal, l'eau polluée, donc. Peut-être que je peux, quand même, avec un super saut, là. Quoique, il y a aussi ces bestioles, là. Très utile, normalement. Oh, ok. Bon, c'est pas tout à fait ce que je voulais faire. Ça fonctionne quand même. Mais les bestioles, les petites araignées, les araignées d'eau, là, font rebondir très très haut. Donc elles peuvent être très utiles. On va passer par le moulin, parce que là... Ah, regardez, là-bas, la catabuse est prête. Elle est dispo. Ok, donc c'est pas forcément... C'est pas forcément toutes les buses du niveau. Je savais pas ça. On va sauvegarder. Et alors, catabuse, je sais plus si je voulais montrer. Mais en tout cas, ça fait aller... Si, si, on l'a vu déjà, mais... Très loin en hauteur. Respectez la catabuse, respectez-la. Et elle vous respectera en retour. Ah, la bonheur, le bonheur, j'adore ce truc. Bon, c'est pas ma préférée. Vraiment, ma préférée, c'est la noire. Et elle apparaît plus tard, mais elle est trop cool. Elle est beaucoup trop cool. Bon, alors du coup, là, on va aller plus vite. Voilà. Après, est-ce que c'est bien le truc le plus pratique pour aller au niveau secret qui est là-bas? Ça, c'est pas dit non plus, hein. Ah, regardez, là. Oh, bah... Ah, je vous la montre pas. Je vous la montre pas. Je vois que la buse est disponible. Mais c'est juste devant le niveau, donc ça sert à rien. Wouhou ! Parfait, non ? Non. Alors là, par contre... Oh, alors là, par contre... Ok. Faut bien viser, faut bien viser, faut bien viser. Parfait. J'aurais peut-être dû la prendre pour sauvegarder, pour la valider. Je me demande. Ça a l'air sympa, ça a l'air vraiment cool. Ça a l'air vraiment cool. Toujours garder en tête la vie gratuite. Et l'arbre gratuit aussi. Voilà, l'arbre du niveau secret qu'on adore. La vie gratuite, ok, la vie gratuite est là-bas, mais il faut quand même passer ça. Donc c'est chacun son tour, le truc qui fait plouk plouk. Ok. Vie gratuite. Vie gratuite. Tac, tac, hop. Ok, super, ça marche bien. Tu peux revenir en arrière, mais c'est pas forcément très sécure. Doucement, doucement. On va simplement faire un super saut très sympa, comme ça, là. Comment je vais là-bas de manière efficace, s'il vous plaît? Il faut pas que je fasse des sauts en longueur comme ceci. Voilà. Et le cube se met à bouger. Voilà. J'ai voulu aller trop vite. Je ne parle pas de gourmandise parce qu'il n'y avait même pas de notion de gourmandise, il n'y avait même pas une vie.
Je m'en veux, s'il vous plaît. Oh là. Je fais le fou. Ok. C'est bon. De toute façon, on n'a pas perdu de vie, puisque vie gratuite. Il faut faire le super saut là. Je crois que j'ai pas le choix. Ah, mais j'y arrive pas. Je pense qu'il y a un autre moyen, mais je le trouve pas très intuitif. Oh yeah, ça c'est intuitif. Ça c'était très intuitif. Génial, on va s'éclater. Je vous l'avais dit, on commence à avoir des niveaux sympathiques. Waouh, tout d'un coup. Allez, franchement, c'est simple ça. C'est simple, il suffit d'aller pas si vite. Ça sert à rien d'être pressé. Et voilà. Wow. C'était juste quand même. Ok. Ok, pas de soucis. Oh là 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 là. Oh, la gourmandise. Ouh. Bon, elle était pas si gourmandise que ça parce qu'elle était vraiment sur le chemin quand même. Il y a des petits nuages pour te rattraper au cas où. Ok, c'est presque fini. Il ne reste que ça. J'ai les mains en sueur. C'est très sympathique. Ok. Je suis à deux doigts de déclencher le plan. Je commence à m'énerver. C'est pas le plan rage. Je veux dire, on est encore si loin de déclencher le plan Fort Boyard. Faut quand même pas exagérer, s'il vous plaît. Un effort, de la lenteur et de la concentration. Je sais pas. Je suis en train de me perdre. Là, faut choper. Non. Lui. Je le rechope. Je suis en train de paniquer. Ça passe. Je l'ai. Je suis sur la bonne voie. C'est bon. Rappelez-vous que tous ces niveaux secrets vont ensuite se retrouver avec une étoile, enfin une étoile, un soleil. Enfin, après, on peut se dire quand même qu'un soleil, c'est une étoile. Mais bref, un soleil secret avec des pièces rouges. On fera chercher les pièces rouges sur cette jolie plateforme. Ça va être très sympa. Tu peux être sûr qu'il y en aura sur les petits nuages qu'on a vus quand on a grimpé. Oh, je me régale d'avance. Après, je peux très bien y aller tout de suite. Hein, mais on va pas faire ça, on va essayer de compléter les 8 épisodes d'un niveau pour voir ce que ça fait déjà. Je crois qu'on est à l'épisode 7. Anti-Mario en cavale, épisode 7. Vous voyez, c'est celui-là, à chaque fois l'épisode 7, je crois que c'est tout le temps avec Anti-Mario. Maintenant, on sait de qui il s'agit. C'est de ce cher Bowser Jr. Bowser Jr. Yeah. Bon, bref. Anti-Mario en cavale, y a pas de problème. Bonjour monsieur. Ah, je l'ai raté. On meurt ? Je pensais qu'il allait mourir plus vite parce que j'avais la super technique. Il est où ? Bah alors. J'avais la super technique, monsieur. Mourez !
Si après j'ai plus d'eau à coudre par ta faute, je te préviens. Ah, c'est bon. Je m'en souviendrai. Bon, c'était pas difficile. C'était pas difficile. Je l'avoue. Ce septième soleil était fort simple. D'accord. Maintenant, allons nous occuper du huitième. Dernier soleil classique, les pièces rouges du lac. Je le sens un petit peu moins bien que les pièces rouges du village, déjà d'une. Parce que je sens que là, c'est une zone aérée. Et tu vois, tu vas tout en haut pour choper la pièce, puis tu tombes tout en bas. Enfin bref, je le sens bien. Et quand je parlais de zone aérée, en général, c'est là qu'il y a des lags de l'émulation. Donc, tenez-vous prêts. Alors, je pense que la catabuse, cette fois, sera utile. Et je pense que je vais aussi pouvoir, en tout cas, vous montrer l'autre bus qui doit être, je crois, l'aérobus ou... Enfin, je sais plus son nom. Turbobus, je crois que l'aérobus, c'est celle qu'on a actuellement. On va aller voir, parce que normalement, la boîte black, là, elle était où? Ah non, elle est encore en mode... D'accord. Bon, tant pis, hein. Tant pis, un jour je vous la montrerai, mais là c'est pas très rentable parce que on a vu qu'il y avait une boîte qui n'était plus en mode fantôme. Mais bon... Ah mais je pense que si je la prends, ça peut débloquer l'autre. L'autre au début du niveau. C'est pas impossible. Mais je vous dis, c'est pas rentable du tout, ça n'a aucun intérêt de la récupérer maintenant. Puisqu'il n'y a pas de pièces rouges en bas, il faut aller en hauteur. Donc c'est pas du tout intéressant. Donc gardez ce plaisir pour plus tard. Elle est là-bas, mais gardez ce plaisir pour plus tard. Elle est gardée par un type qui est apparemment une statue. Mais on verra plus tard. Alors, on va grimper. Peut-être que j'aurais dû prendre la catabuse, hein, peut-être. Je sais pas. Je pense qu'il y a deux écoles, vous voyez. Il y a ceux qui pensent que c'est mieux avec la catabuse, ceux qui pensent que c'est mieux avec l'aérobuse. Mais je pense que j'ai plus de chances de me rattraper avec l'aéro. Il faut garder son calme, il y a même de la pièce bleue. Est-ce qu'il n'y a pas de la pièce rouge dans le moulin? Ça je sais pas. On le voit pas d'ici. Bon, tout en haut il n'y a rien. Mais qu'est-ce que tu fais toi? Comment on tue cette bête? Je sais pas, on s'en fout. On s'en fout. Arrête de me zoomer là-bas. Ah, la bonne idée. Ah, la bonne idée. Mais je vous l'ai dit. Ah, il y a une pièce au fond de l'eau. C'est celle-là que je voulais. Je voulais commencer par celle-là avant d'aller en haut. Ok. Alors. Attendez. Hey oh, j'ai besoin de remonter, s'il te plaît. S'il te plaît. Attends. Arrête de bouger. Merci. Merci, dis-moi que je peux agripper quelque chose. Rien du tout. Bon. On va se refaire, y a pas de problème. On va viser moins haut. Comme par exemple... En fait, on pouvait très bien le faire, mais seulement je me suis bien planté. Faut se mettre au niveau de la pièce bleue qu'on a vue, hein. Ça sera parfait. Si la caméra voulait bien rester comme ça aussi. Spam. Non, j'ai fait planter le... Tu vois, le jeu le prend comme ça. Très bien. Pas de problème. Je vais pas faire les pièces rouges. Voilà. Il a voulu faire le malin. Tant pis pour lui. On se reverra plus tard. Pas de problème. Moi, je vais m'occuper de mes fruits. C'est plus sympathique. C'est plus gentil. Ça ne pose pas de problème, les fruits. On va surtout pas aller là, puisque c'est le prochain niveau. On va se trouver un autre panier. Alors, je sais plus combien il y en a, mais il semblait qu'il y en avait pas mal. Hein. Genre, là-bas, il y en a un. Il est en hauteur, il a l'air très sympathique. Il y en a un autre juste en face, là.
On le voit pas là, comme ça, mais... Je voudrais savoir. Donc on peut marcher dedans, il n'y a pas de souci. Je voudrais savoir où sont les autres paniers. Est-ce qu'il y en a que... Ah si... Non mais attends, mais laissez tomber. Hein. Vous voyez sur l'île là-bas, il y en a un autre. En fait, on a fait le plus simple, et tous les autres sont chiants. Tous les autres sont chiants. Donc on va commencer avec le moins chiant des plus chiants. On va aller voir celui là-bas. Que veux-tu? Que veux-tu, mademoiselle? Bonjour, qu'est-ce que tu pourrais... Il nous faudrait que tu rapportes des fruits, oui. Je meurs d'envie de manger des ananas. Pas de soucis. Des ananas, et après, tu aurais pu mettre ton panier au sol. Et tu peux aussi poser quelques problèmes et mettre ton panier en hauteur, je veux dire. Bah... Alors ça, c'est pas les ananas, hein. Ça, c'est les durian, là. Et ça, c'est les pires, parce que justement, ceux-là, tu vois, je bouge dedans, il se passe rien, je peux les porter et les jeter. Mais eux, je ne peux que les frapper en mode ballon de foot. Et c'est ultra galère pour se diriger avec. Et je vous assure qu'il y a une meuf. Elle en a besoin. C'est évident. Enfin, je le sais déjà. Donc ça va être très sympa. Franchement, ça va être très sympa. Je m'impatiente. Non, c'est pas ça, je m'impatiente pas. Mais je me réjouis, quoi. Je me réjouis de devoir faire ce truc. Alors. Regarde, sans regarder. Sans réfléchir. Il est parti où? Oh là là, il est allé trop haut. Il est allé trop haut. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Vaut mieux qu'on termine là-dessus. Parce que franchement, si on fait tout d'un coup... Après, peut-être qu'il y en a beaucoup plus des meufs à fruits. Mais que je les ai pas encore vus. Allez, c'est presque là. Voilà. Alors attention, on va essayer de prendre des repères visuels. Tu vois là, on est sur le bleu. Ah, je peux pas mettre la caméra comme j'aimerais, mais bon. Non, le bleu ça va pas. Il faut plus proche que le bleu. Donc on va mettre la deux cases avant, comme ça là. Attends, regarde, la bleu clair. Bleu clair, ça passe pas. Non, mais madame, c'est bon, je sais, y'a pas de soucis, je m'en occupe. Tu vois bien que j'ai un fruit juste à côté. Voilà. Donc, la ligne bleue, est-ce que c'est le bon repère visuel? Non plus. Peut-être la ligne blanche. Non. Peut-être la ligne la ligne du trottoir, tu vois, les pavés. Mais non! Donc juste devant les pavés. Enfin, dans les petits pavés. Petit pavé égale victoire. Petit pavé égale victoire. Répétez avec moi. Petit pavé égale victoire. Après, pour les durians, là, les ballons de foot, j'ai ma petite idée. Hein. Parce que je me souviens d'où il faut les emmener. Hein. Donc je m'inquiète pas tant que ça. En vrai, je m'inquiète pas tant que ça. Là, il y a l'astuce. Alors, petit pavé égale victoire. Ça marche bien, hein. Ça marche très très bien. Un dernier, et on aura la pièce bleue de... Bah, de l'ananas. Je voulais que je vous dise. J'ai pas d'autres mots. Ah, quelqu'un m'a dit... regarde, il y a une fenêtre ouverte, il y a peut-être un niveau secret. Alors, de mémoire, non, mais il y a des pièces. Voilà. Il y a des pièces dans les fenêtres. Petit pavé, grande victoire. Et voilà. Magnifique. Merci du fond du cœur. Ah ben alors là, pas de problème. Merci beaucoup. Est-ce qu'on irait pas... Non. Checker. Par là. Voilà, vous voyez, là, on n'est pas allé. Là, on n'est pas venu, et je pense... Parfait! Pièce bleue. Ok. Mais je sais qu'il y a moyen d'aller en haut, là. Il doit y avoir une autre plaque quelque part. Non, il n'y a pas de plaque. Il me semblait normalement qu'il y avait une plaque en haut. Quel est ce mensonge? Bon, alors, là, il y a ça.
Ah, vous voyez, là, il y a un panier. Vous voyez, il y a un panier un peu en mode cage de foot. C'est ici. C'est ici qu'il faut amener les trucs. Regardez, voilà. On y est. Voilà. On est en hauteur comme ça. C'est fort sympathique, hein. Il n'y a pas de souci. On pourrait même aller nettoyer ce truc. Mais je vous le dis d'avance, ça sert à rien. Ça sert à rien. Dites donc, il n'y aurait pas un autre oiseau bleu, là? Et un autre M? Yes! Yes, yes, yes. Allez, on prend les deux pièces qu'il y a là. Parce que du coup, l'autre, elle va pas bouger, j'imagine. Et on se laisse. Parfait. Bon, moi, je trouve qu'on est rentable. Moi, j'aime beaucoup. Malgré un crash. Hein, on a fêté l'anniversaire du crash, d'ailleurs. C'était magnifique. Un moment d'émotion. Donc, le crash a 2 ans. On verra. Enfin, 2 ans, je sais pas. Il a 2 épisodes, quoi. On va dire qu'il a 2 ans, parce que c'est plus sympa de dire qu'il peut parler comme ça. Mais bon, voilà. On peut pas se dire qu'il s'est passé 2 ans. Il faudra qu'on visite ici aussi un jour. Un jour. Bref, arrêtons cet épisode ici. Merci de l'avoir suivi. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve bientôt. Je l'espère aussi. Portez-vous bien. Bye bye.